aujourd'hui, il est 14h20. On ouvre pour maman le vlog aujourd'hui. Exactement. Parce que... qu'elle est un peu en train de courir à gauche, à droite. C'est ça. Et qu'on va aller faire des courses. On va aller faire des courses et après, on va aller se baigner. Enfin, ouais. Nous en tout cas. Ouais. Si maman, je crois qu'elle rentre, mais elle sera pas froide. Et du coup, voilà. Donc, pour nous, ce sera ça. Et maman, elle va vlogger, comme d'habitude, dans la maison. Et voilà. Et comme maintenant, les enfants sont revenus, les vlogs vont être intéressants. Exactement. Et plein de rebondissements et de suspense. Surtout de bêtises. Avec des acteurs incroyables. Des acteurs incroyables, tout à fait. Exactement. Mieux qu'une série Netflix. Oh non, faut pas abuser. Alors abonnez-vous. Et voilà, donc c'est tout pour nous. On a ouvert et maintenant, bah, c'est maman qui prendra le relais cet après-midi. Voilà. À plus. Bonjour les amis. Bon, c'est pas moi qui ai introduit aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. C'est vrai que depuis ce matin, j'étais pas mal occupée. Et puis, bah, évidemment, avec le retour des enfants, le rythme est différent. Donc voilà, et encore, j'ai pas terminé parce que j'ai encore... un peu de travail, voilà, j'ai la vaisselle à faire. Là, j'ai les courses à ranger, puisqu'en fait, on vient d'aller faire les courses, et du coup, j'ai déposé Anaïs, et donc vous avez rencontré Mohamed, du coup, qui est le petit ami d'Anaïs, et qui est en fait venu lui faire la surprise de passer quelques jours à la maison. Alors, en fait, il rentrait de Tunisie, il était parti en Tunisie depuis début juillet, et il rentrait de Tunisie hier, dimanche, oui, c'est ça, hier. Et du coup, il m'a envoyé un message en fait en me disant « Si j'arrive à Cholet, est-ce que tu peux venir me chercher ?» Bon, finalement, ça s'est pas passé comme il espérait puisqu'à l'aéroport, ils ont perdu sa valise. Et puis du coup, bah, comme il attendait son covoiturage est parti sans lui. Donc du coup, j'ai été le chercher à Nantes. Soit, c'est pas un problème. Et en fait, bah, il va rester avec nous quelques jours. Je sais même pas quand il a décidé de repartir. Du coup, bah, ça se gère comme ça. Il est là, bon, c'est un peu... ils sont jeunes. Hein. Donc là, ils sont partis se baigner à Coulevé. Donc Coulevé, c'est un étang en fait qui est pas très loin de chez nous et qui fait partie d'un camping, mais qui est accessible à tout le monde. C'est public, tout le monde peut y aller. On peut se baigner dedans. Moi perso, je trouve ça crade, mais Anaïs, elle va se baigner dedans. Après, avec ses copains, il y a une petite plage aménagée. Du coup. Ils s'installent sur la plage, ils profitent entre jeunes et puis voilà, ils passent leur après-midi. Et nous, on est restés au frais, bien que je ne peux pas fermer ce volet, je n'y arrive pas. Donc bah, ici, il fait assez chaud, mais par contre, dans le salon, il fait hyper frais, ça fait du bien. Donc là, malheureusement, je m'apprête à faire du pain perdu pour les enfants, pour le goûter. Et il faut que je me presse, il est déjà 15h40. Et du coup, bah, moi, je vais rester dans la pièce chaude. Donc c'est un petit peu dégoûté, mais tant pis. Prendre sur moi. Et puis après, ben, on prendra le goûter avec les enfants et puis on va rester dans la pièce fraîche à faire, je sais pas, des jeux de société ou quoi. Ils sont allés se baigner ce matin un petit peu dans la piscine, mais là, clairement, il fait hyper chaud dehors. Bon, il pourrait encore y aller, il fait que 32 degrés, c'est pas non plus... c'est chaud, mais ça va. Donc là, peut-être qu'après 16 heures, ils retourneront se baigner dans la piscine, ça leur fera du bien, mais là, ils regardent un petit peu la télé. En fait, Koum et Elsa étaient restés là le temps que... moi j'étais partie en course et du coup ils ont regardé la télé, donc là ils continuent à regarder un peu la télé le temps que je leur serve le goûter et puis on avisera après les activités de l'après-midi. Donc voilà, moi j'ai rien de prévu de spécial aujourd'hui. Il y a eu un changement de programme, je vous ai pas publié de vidéo aujourd'hui pour la simple et bonne raison que bah, avec tout ce que j'ai fait hier à courir après Mohamed en fait pour aller le chercher, le ramener, etc. Bah du coup j'ai pas eu le temps de tourner ma vidéo, en plus j'étais pas toute seule, hier soir j'ai voulu la faire, mais pour être honnête avec vous, j'avais les cheveux sales, du coup ils étaient attachés, et enfin visuellement je trouvais que ça rendait vraiment pas bien. Donc bah, j'ai préféré voilà, ne pas la faire plutôt que de faire une vidéo moche et désagréable. Voilà. Donc je vous la publierai la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine j'aurai des amis à la maison, donc c'est sûr et certain, je vais pas forcément en vlogger, puis... il faut que je la tourne avant qu'ils arrivent parce que j'aurai pas le temps de le faire après. Donc je vais la tourner, la monter et du coup la pré-enregistrer dans l'ordi, tout simplement. Et puis il va falloir que je fasse ça en fait, que je prépare des vidéos à l'avance pour vraiment en avoir toujours une sous le coude à vous poster le lundi. Ce serait quand même plus simple. Voilà, bon bah, je vous reprendrai plus tard en fonction de l'avancée de mes activités. Bon, le pain perdu est terminé.
Bon, j'en ai pas fait une quantité astronomique non plus. On peut survivre. Hein, les grands sont pas là. Donc, on peut survivre. C'est très chaud là pour l'instant, faut attendre un petit peu. Donc je suis contente de moi parce que je l'ai pas fait cramer. Ouais. Ils sont trop beaux. Ah si, t'en as fait deux cramer. Non, ils sont pas cramés, ils sont dorés. Il y en a aucun qui a cramé. Moi, je suis fière de moi. Tu fais comme tu veux, mais ça sert à rien de prendre de l'élan. Alors lui, il va nous vider la piscine. Et Marceau qui galère avec ses brassards. Vous pouvez l'aider avec ses brassards quand même. Quoi ? Tu pourrais l'aider avec ses brassards. Attends, pousse-toi. Trois. Waouh. Attends, il y en a qui s'éclatent. Pendant ce temps-là, je reste à l'intérieur. Parce qu'il fait moins chaud. Du coup, je fais des pauses télé, là, depuis tout à l'heure. Je vais prendre mon pied. Donc, on a bien mangé le pain perdu, hein. Au goûter, c'était... C'était vraiment bon. On a bien apprécié. Hein ? J'ai pas le même décor derrière moi. J'ai cru que t'allais... Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est moche. Non, je vais vous laisser faire. Ouais, on est en train de regarder le truc sur les vacances, là, sur TF1. Bon, cet après-midi, du coup, les jeunes, ils sont allés à Couvet, là, j'ai été les rechercher, et puis on est repassé vite fait chez Super U, on avait fait des courses, mais en fait, on n'avait pas pris de pain, et j'ai vu dans mon frigo que j'avais de la mousse de canard qui me reste de souffle, enfin, qui reste du week-end, que Eric avait rapporté, et du coup, bah, sans pain, manger de la mousse de canard... Donc on est retourné chercher du pain. Donc voilà. Par contre, c'est Marceau qui m'a fait super mal, je sais pas si on le voit. C'est vraiment la maison idéale finalement pour un pain. En fait, j'ai voulu faire un bisou à Marceau et il a sauté en fait au moment où j'ai voulu l'embrasser. Et du coup, j'ai ma dent qui m'a taillé la lèvre en bas. Du coup, ça m'a fait une plaie. J'ai un morceau de peau qui est carrément... flotte quoi. Donc c'est gênant et ça picote, donc je suis un peu deck. Mais bon, il n'y a rien de grave, ça a saigné un petit peu, je l'ai senti, j'avais le goût du sang dans la bouche. Donc voilà, mais rien de méchant. Là les gars, ils s'allument. Là les gars s'amusent dans la piscine, je vais baisser un peu le son parce que quand même c'est vachement fort. Moi je trouve que là c'est pas fort. J'entends qu'ils m'ont rien. Bah si, là on entend quand même. Hein. Alors, Elsa, s'il n'y avait pas la télé à fond, les gamelles, elles n'entendent jamais rien. Donc voilà, bah, cette semaine, je crois que s'il fait chaud comme ça tous les jours, je ne vais pas sortir beaucoup. Hein. Donc ma semaine risque d'être plutôt intéressante. Donc là, du coup, on a Mohamed bon, pour la semaine, je pense. Hein. Moi, il faudra que je le ramène plus tard vendredi. Ouais. De quoi ? Puisque du coup, vendredi, on a rendez-vous chez l'orthodontiste pour Elsa. Non, c'est vendredi, j'ai regardé. Et donc, vendredi, on a rendez-vous chez l'orthodontiste. Samedi, il y a ma copine Aurore qui arrive. Donc du coup, voilà. On ne peut pas gérer tout, tout le monde. Il ne peut pas partir samedi. Qui ? Non, il ne peut pas partir samedi. Vendredi, pardon. Pourquoi ? Parce que j'ai mon rendez-vous. Et alors, s'il part le matin ou en début d'après-midi, c'est bon. T'as rendez-vous à 18h15, hein, donc c'est vraiment un rendez-vous ajouté au planning. Parce que... Donc, non, je pense que ça le fait, même vendredi. Quand je pense que j'ai loupé mon rendez-vous. Ah oui, bah, c'est ma faute. Elle me dit quand je pense que j'ai loupé mon rendez-vous, mais c'est moi, j'avais pas noté dans le planning, donc forcément, on n'y a pas pensé. Du coup, tout à l'heure, je surveille les enfants à la piscine en même temps. Tout à l'heure, dans le magasin, je regardais, il y a déjà tous les rayons de fourniture scolaire, tout est installé. Donc, là, au mois d'août, hein, on va s'occuper de ça. Début ou fin août ? Bon, je ne sais pas trop, on verra. Naïs m'a dit qu'elle allait me couper les cheveux.
Elle veut me faire un dégradé, on verra ce que ça donne. Je pense que ça tirait bien mal. Ouais, mais alors je veux pas te dégrader devant, parce qu'ils sont déjà. Enfin, je sais pas. J'ai peur que ça m'aille pas. Donc. Maman, t'as déjà eu les cheveux longs? Enfin, plus long que ça, non, je crois pas. Non. Ah non, moi j'ai jamais eu les cheveux très longs. Moi. Même pas jusqu'à là? Non. Bah là, je les laisse pousser. Là, le but, c'est qu'ils soient quand même plus longs que ce que j'ai aujourd'hui. Ah oui, toi, tu voudrais au moins les mettre là, quoi. Mais bah, je voudrais que devant, ouais, ils m'arrivent à peu près là, quoi. Enfin, là. Je veux pas des cache-seins non plus, mais... Non. Plus long que ce que j'ai aujourd'hui. Et puis, du coup, rattraper un petit peu la matière parce que ils sont fort abîmés, quand même, là, avec les mèches. En sachant qu'Anaïs va me refaire des mèches. Donc, Moi, je trouve que ça fait joli les cheveux longs. Mais par contre, quand ils sont collés comme j'avais avant moi. Oh mon dieu. C'est-à-dire? Mais tu sais, les cheveux. Tout plat, tu veux dire? Ouais. Ah, bah, c'est parce qu'il ne faut pas les laisser trop longs. Ouais. Là, comme ils sont là, ça doit super bien cette longueur. Il faudrait juste que tu les laves un petit peu. Peut-être un peu plus long. Oui, les cheveux plus longs, mais. Peut-être. Mais pas aussi longs que tu les avais avant, parce qu'en en fait, t'as pas de volume. Donc, Je les avais jusqu'ici, moi, mes cheveux. Non, mais c'était plus long que ça. Bah là, on a maximum. Peut-être, je sais plus. Ah bah, le volet, il se ferme super, je vois plus les gars. Ah bah. Adèle, il a été dans l'herbe. Oui, mais normalement, ils passent par le pédiluve pour remonter. Ils ont remis de l'eau dans le pédiluve. Ah. Mais je crois qu'Adam, là, il est pas passé par le pédiluve. Il me saoule, Adam. Il désobéit à tout. Enfin, bref. Voilà pour le résumé de notre journée. Je ne sais pas du tout ce que nous allons manger. On vient de faire les courses, donc on a de quoi faire. Mais sur quoi on va s'arrêter? Je ne sais pas. Donc, on verra tout à l'heure. Bon, les amis, il est 23h10. Nous sommes dans le noir parce que la fenêtre est grande ouverte pour essayer de faire rentrer un peu de fraîcheur. Pour la simple et bonne raison que je dors dans cette pièce et que pour l'instant, il fait une chaleur étouffante. Donc là, on a regardé Camping Paradis avec les enfants. C'était trop bien. Ouais, moi, je l'avais déjà vu, mais c'est vrai qu'il était bien. On l'avait tous vu. Tu l'avais déjà vu aussi? Ouais. Bah oui, et là, du coup, il est l'heure d'aller se coucher. Ouais. Tchuss. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. On vous fait des gros bisous et merci pour votre fidélité. Et Marceau, tu les fais pas lui. À demain. Tu les fais pas lui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, un petit pouce, ça fait plaisir. Ou sinon, un petit pouce dans l'autre sens, ça fait moins plaisir. Mais au moins, on sait ce qu'il en est. Allez. Ou alors, commentez. Gros bisous. Ou alors commenter.